Bonsoir à toutes et à tous. Si vous aimez le foot, évidemment, vous êtes bien tombés parce que ce qui nous attend risque de vous plaire. On a hâte que ça démarre. Da Silva, Da Fonseca, la team Dada est bien titulaire aujourd'hui pour vous faire vivre ce match le plus intensément possible au programme de cette première journée de phase de coupe, du monde. Et tout le monde est sur le qui-vive ici. C'est une très belle affiche qui se prépare. Consistance, rigueur, détermination pour aller loin dans une compétition. Il faut absolument réussir la phase de groupe. C'est important pour mettre en place une dynamique positive dans l'équipe. La compo de l'équipe suédoise. Composition assez offensive avec ce 4-5-1 ou alors 4-2-3-1. Enfin, on verra bien. Tout ça, ce sont que des numéros de téléphone. Et la Suède dans le football féminin, c'est un paradoxe. C'est une grande nation et pourtant, la Suède ne gagne pas souvent. Oui, mais depuis 2003, l'année qu'elles vont en finale du mondial, le foot féminin a quand même vraiment décollé en Suède. Sauf qu'à la fin, malheureusement, c'est rarement elles qui gagnent le trophée. L'Afrique du Sud va commencer avec l'équipe suivante. Disposition assez classique avec ce 4-4-2 à plat. Ça permet une bonne domination de l'espace. C'est parti pour ce match de Coupe du Monde. Björn. Kosovare Aslani. Oui, bonne intervention. Le ballon sort en touche. Angeldal. Kosovare Aslani. Et c'est une frappe. Bon arrêt, les mains sur le ballon. Ces années. C'est au Posenwe. Oui, c'est une bonne défense avec cette interception. Blackstenius. Eh bien fait, quelle ouverture! C'est un ballon intéressant ça! Excellente parade avec ce plongeon! C'est joué court. Oui, le centre, il est bon dans la surface. Aucun danger sur cette tête. Elle est très facilement captée. Aucun problème. Jane. Ouais, une bonne charge. Attention pour mener au score peut-être. Le ballon leur échappe. Katlana. Très bonne progression, balle au pied. Ah non, finalement le ballon est perdu. Attention, il y a un bon pressing. Aslani. Avec Blackstenius. Aslani, la frappe. Oui, la parade.
C'est bien parti pour ce corner. Un dégagement raté sur ce centre. Le danger est toujours présent. Et cette tête ne donne rien. Et c'est capté facilement. Un bon pressing. Ballon récupéré. Avantage. L'arbitre laisse jouer. Jane. Catlana. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Fridolina Rolfe. Et pourquoi pas une occasion à venir là. Ah, super anticipation, la passe est parfaitement coupée. La frappe lointaine, la frappe contrée sans souci. Ouais, bon geste défensif, le ballon change de camp. Kosovare, Aslani. Aslani, la frappe! Bonne prise de balle sur cette action. Siopo Senwe. Ouais, la bonne lecture pour stopper cette offensive. C'est un ballon de contre à jouer. Voilà une attaque qui progresse bien. Ah, c'est bien défendu sans commettre de faute. Catlana. Ah, le ballon est contré. Excellente intervention. Qu'est-ce qu'il est bien donné ce ballon. Ah, très peu de temps pour frapper. Magnifique intervention. Aslani. Et une passe lobée pour créer le danger. Oh, la bonne parade. Le corner. Et le corner ne donne rien. Le ballon est renvoyé par la défense. Et voilà l'arbitre qui siffle à l'instant la fin des 45 premières minutes. Et voilà, le jeu qui reprend dans ce match. Et le ballon change de camp. En excellente position pour tirer. Et voilà, l'ouverture du score, amplement méritée après une nette domination. On revoit ce petit festival au milieu de la défense et puis on peut admirer tout particulièrement ses qualités à la finition de l'action. Après un tel sprint, ce n'est pas évident d'avoir encore toute la sérénité pour bien conclure. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Siopo Senwe.
Ah, les transmissions sont fluides pour créer des décalages. Jakobsen. Kosovare et Aslani. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Pas trop de difficultés sur cet arrêt. Anderson, Rubenson. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Jane. Allez, il faut maintenant s'appliquer sur cette attaque. C'est une magnifique interception et décisive en plus. Le contre est possible. Ah voilà, il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Bonne intervention, la passe est interceptée. Ah, il y a un peu d'espace sur le côté. Quelle belle occasion gâchée, le ballon file en 6 mètres. Ouais, changement donc, et des deux côtés. Le ballon circule bien, c'est une phase de préparation pour aller chercher l'égalisation. Et pourquoi pas, l'égalisation sur ce corner. Le staff décide donc de faire un changement. Corner. Et c'est sauvé sur la ligne au dernier moment. La balle captée sans difficulté et une occasion assez bêtement gâchée. Ouais, parce qu'à cette distance, c'est but à chaque fois. Les statistiques sont claires. Peu d'occasions, pas assez de buts. Voilà, c'est simple. Le seul moyen de revenir, c'est d'être plus dangereux. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. C'est une bonne progression dans le camp adverse. Corner et ça fait donc une nouvelle opportunité d'aggraver un peu plus le score. Alors la goal line s'invite là aussi pour nous dire ce que nous savons déjà, à savoir que le ballon n'a pas franchi la ligne. On l'avait bien vu depuis le stade. Et c'est confirmé par l'animation 3D. C'est un petit peu de la magie. Voilà, c'est joué court. Ah, le bon réflexe là. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. C'est un corner bien joué, bien frappé. Et là, le ballon est renvoyé sans aucune difficulté. Et donc l'arbitre siffle la faute, c'est un coup franc. Ouais, facile, ça passe. Il va falloir déclencher là. Eh oui, le bon réflexe.
Allez, bien frappé ce corner. Frappe dans un angle impossible et comme c'était prévisible, bah, ça passe très loin du coup. Une occasion gâchée, hein. Comment veux-tu marquer dans un angle aussi difficile? Quelle mauvaise décision. Aslani. Oh, la différence est faite. Ah, le ballon est contré. Attaque rapide pour essayer de rattraper ce but de retard. Et la frappe. Une belle parade et surtout très bonne lecture de la trajectoire. Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. Le corner bien tiré, et ce corner est dégagé par la défense. Et attention à cette frappe. Oui, joli réflexe. Plus que quelques minutes pour revenir au score, peut-être sur ce corner. Le corner, aucun souci là pour la défense, ballon dégagé. Et la bonne lecture pour stopper cette offensive. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Encore 4 minutes de temps additionnel à jouer au minimum. Et une occasion de contre à négocier. Oh, le ballon intéressant. Goal, 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 goal des Suédoises. C'est bien joué, magnifique. Oui, on revoit l'image. Ce qui est générateur du danger, c'est cette transmission dans la profondeur. Et derrière, Laurent contre un gros boulet de canon dans le filet, hein, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Et avec ce but, ça fait donc 2 à 0 maintenant. Et on passe par le côté. Ça y est, c'est terminé et c'est donc une victoire dans ce match de Coupe du Monde. C'est une victoire assez nette avec ces 2 buts d'écart. Le genre de victoire qui fait du bien à tout le monde.